Bonjour à toi, chers spectateurs, et bienvenue dans cet épisode 8 de Au coin du Blu-ray. Épisode 8, donc, on reste dans la lettre C, une lettre qui, comme je le disais la dernière fois, est quand même bourrée de bonnes petites pépites, que ce soit Candyman, que ce soit le chant du loup, enfin, j'ai de belles choses, je trouve, dans la lettre C, mais, du coup, il y en a une qui a attiré un petit peu mon attention. Un film que, personnellement, j'affectionne beaucoup, parce que ça fait partie de ces rares remakes que l'on a envie, comme... de voir comme meilleur que l'original. Tout simplement parce qu'ils le sont. Et le remake en question ici, c'est La Colline à des yeux, remake du film de Wes Craven par Alexandre Aja. Un film que j'affectionne particulièrement parce que je pense que c'est réellement avec ce film que Alexandre Aja a su montrer que les Français à Hollywood ne faisaient pas que des trucs sur commande, mais étaient réellement capables de s'approprier une œuvre pour lui donner quelque chose de particulier. L'histoire, elle est très simple, c'est une famille qui part dans le désert et aux abords d'une ancienne zone militaire, et ben il va se passer ce qui se passe. C'est-à-dire des gens chelous avec des difformités qui vont les persécuter et voilà. C'est un film joyeux, vous vous en doutez. Personnellement, j'ai une grande affection du coup, donc comme je disais, pour le film d'Alexandre Aja, parce que bien au-delà d'être un film qui a une vraie énergie, bien au-delà d'être un film qui ressemble au style du cinéaste français, bien au-delà d'avoir su démontrer donc que le cinéma de genre français pouvait s'exporter aux États-Unis et ne pas perdre de sa sève originelle, je pense profondément que La Colline à des yeux a été un véritable déclic à la fois pour tout un pan de la production audiovisuelle francophone, mais également plus généralement pour tout un pan du cinéma de genre international, parce que La Colline à des yeux a démontré qu'on pouvait se servir du gore et en même temps créer un film avec une ambiance. De à la fois réussir à terroriser le spectateur avec des images brutes, avec des images dures, avec des images extrêmement difficiles par instant, et en même temps ne jamais perdre cette essence qui consiste à créer avant tout une ambiance, créer avant tout une atmosphère, un endroit dans lequel le spectateur se sente très mal. Et ce, La Colline à des yeux d'Alexandre Aja est exactement dans cette veine. Et ceux qui connaissent Alexandre Aja savent que par la suite, il ne fera que aller dans cette même direction et essayer de pousser cette idée de faire peur au spectateur en utilisant du graphisme et en même temps de l'ambiance, jusque dans ses retranchements, jusqu'à Crawl, qui pour moi est peut-être la limite, dans le sens où Crawl est à la fois un film qui a une super ambiance, qui a un vrai rythme, qui a un vrai style, mais qui en même temps atteint un petit peu ses limites. Et par contre, clairement, ce La Colline à des yeux est extraordinaire de bout en bout. Je veux dire, ceux qui l'ont vu, vous n'allez pas me dire le contraire, le film, il prend aux tripes. Bon, peut-être qu'il a un style qui va déranger certains, mais moi, je le veux un petit peu dans cette même mouvance qu'il y a eu avec The Descent, cette envie de vouloir faire peur aux spectateurs avec quelque chose de à la fois très fantastique et en même temps de extrêmement ancré dans une certaine mythologie ou une certaine histoire. Pour The Descent, c'est une certaine mythologie. Pour La Colline à des yeux, c'est une certaine histoire. C'est cette période où les États-Unis n'arrêtaient pas de faire des tests avec des bombes nucléaires et imaginaient que à un instant T, il y aurait eu cette petite maladresse qui aurait fait qu'un village aurait été touché par les ondes nucléaires et donc se serait retrouvé et avec des difformités, des choses cheloues. Enfin voilà, c'est cette idée de jouer avec vraiment quelque chose qui fait peur au spectateur profondément, qui l'amène à imaginer les pires choses possibles. Et perso, c'est peut-être l'une des meilleures collaborations en plus qu'il y a eu entre Levasseur et Aja. Parce que Levasseur, ensuite de son côté, bon, pour ceux qui n'ont jamais vu la vidéo qui date quand même du début de la chaîne autour de Pyramide, Levasseur va quand même vraiment vriller par la suite de sa carrière et lorsqu'il voudra passer réalisateur de projet, il va clairement un peu se louper. Contrairement à Aja qui, encore une fois, ici, a vraiment pris pour pied un bon point de départ, était bien dans les starting blocks et déjà avec son précédent film, il avait su placer de bonnes bases. Mais alors vraiment, haute tension, La Colline à des yeux, après, c'est que de la montée en puissance, que ce soit Piranha 3D, que ce soit Horns, que ce soit Crawl, ça reste quand même du très bon cinéma. On pourra citer les quelques interprétations plus ou moins bien senties du long métrage. Je pense pas profondément que la plupart des acteurs, vous avez besoin de souvenir. Perso, le seul que je retiens, c'est Ted Levine. Ted Levine qui s'en sort pas trop mal. On peut vaguement se souvenir de Aaron Stanford ou de Kathleen Quinlan. Vanessa Shaw qui a vraiment réussi à exploser avec ce long métrage. C'est pour moi une actrice qui s'en est mieux sortie par la suite. Pour moi, Two Lovers, c'est une meilleure appréciation de l'interprétation et de la qualité d'actrice de Vanessa Shaw que La Colline à des yeux où elle fait un peu la criarde constamment. Pour ce qui est de ce Blu-ray,
On est sur le même niveau que Broken Arrow, c'est-à-dire que c'est cette période où la 20th Century Fox ne savait absolument pas quoi mettre sur ses Blu-ray, et hormis un petit making-of et quelques commentaires de Aja et Levasseur, c'est un petit peu pauvre comme galette. Donc là-dessus, le Blu-ray pas ouf. Mais le film est très bon. Encore une fois, c'est un film que je vous invite à redécouvrir. Si vous ne le connaissez pas, je vous invite à foncer le regarder parce que réellement, je pense que vous allez passer un très bon moment devant La Colline à des yeux. Et au-delà de ça, c'est un film qui, mine de rien, date de 2006. Et le film n'a pas pris une ride. Je trouve ça assez saisissant quand même. C'est-à-dire que même avec ses effets, qui parfois sont un petit peu too much, l'ambiance reste toujours aussi impactante. L'ambiance reste toujours aussi puissante et extrêmement forte. Et moi, c'est ça qui me marque en fait. Donc si vous avez l'occasion de remater un petit peu La Colline à des yeux d'Alexandre Aja, foncez, vous ne le regretterez pas. Ainsi s'achève cet épisode 8 de Au coin du Blu-ray. Encore une fois, j'espère qu'il vous a plu. Si vous avez déjà vu La Colline à des yeux ou si vous ne l'avez pas encore vu, eh ben regardez-le. Je pense que vraiment, vous ne vous ennuierez pas devant et ça risque d'en terroriser plus d'un. Et d'ici là, n'oubliez pas ce que je vous dis à chaque fois à la fin de cette émission. Il y a bien plus de secrets qui se cachent dans une jaquette de Blu-ray.